Direction San Pedro, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a procédé à la remise de matériel électroménager aux bénéficiaires du projet Resto Durable, un projet mis en œuvre avec l'appui financier de la GIZ et qui permet l'amélioration de la structuration et de la compétitivité des restaurants pour une forte autonomisation des femmes et des jeunes. C'était en présence des autorités administratives, politiques, coutumières de la ville. Le reportage de Djeku De Silva et Abel Kwao. Le projet Resto Durable avait pour objectif de contribuer à l'amélioration de la structuration et de la compétitivité des restaurants pour une plus grande autonomisation des femmes et des jeunes. Cela pour garantir et maintenir la création d'emplois durables. À cette remise des prix, ce sont plusieurs appareils électroménagers qui ont été remis aux opérateurs économiques qui officient dans le domaine des maquis, de la restauration et de l'hôtellerie. Nous avons eu l'opportunité de signer un partenariat avec la GIZ, c'est-à-dire la coopération allemande, et où justement ils interviennent pour créer plus d'emplois, pour permettre à des opérateurs économiques, à des femmes surtout, de pouvoir justement se prendre en charge en développant leurs activités, donc dans le cadre de l'autonomisation, et ensuite faire de telle sorte que on puisse créer des emplois. Nous sommes satisfaits du don venant de la Chambre de commerce de la GIZ, voilà, pour le soutien qu'ils nous apportent. Voilà. C'est important de nous soutenir parce que là, quand tu crées une petite entreprise et que tu payes les impôts, tu payes les taxes et qu'en retour, le gouvernement ne te voit pas, c'est un peu frustrant. Aujourd'hui, on est vraiment heureux d'être là, vraiment heureux de recevoir tous ces dons venant de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Au temps fort, Linda Zrek, présidente régionale sortante de la Chambre de commerce et d'industrie de San Pedro, a été reconduite. La formation en termes de renforcement de capacités constitue l'un des axes prioritaires de la mandature 2016-2029 de la CCICI. Les données de 2020 du ministère du Tourisme et des Loisirs faisaient état de 4 053 restaurants pour 263 845 couverts.